What? Oh là là, j'ai... Le son du jeu est un peu fort. Enfin, déjà, les alt tab n'ont pas l'air de faire planter plus que ça mon jeu. Ah, si. C'est un jeu qui ne respecte pas les alt-tab. Donc, s'il ne respecte pas les alt-tab, comme j'ai call, on va partir sur ça. En fait, ça me nique plus les yeux qu'autre chose. Cette lumière dans ma gueule, là. Je vous mets le jeu en plein écran, comme ça sera plus agréable. Alors, Talk Minute, un jeu qui a divisé la Twitchosphère, on peut le dire. Pour plusieurs raisons, c'est que le jeu est bon, selon moi, mais a des soucis de game design. C'est-à-dire qu'en gros... Ouais, j'allais dire de game design, mais c'est pas vraiment ça qu'il faudrait dire pour un point and click. A des soucis sur son... En fait, c'est que son idée... En termes de gameplay et la réal autour de jeu, pour moi, elle est incroyable. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un sans faute sur la réal et c'est un sans faute sur l'idée du gameplay. Par contre, au niveau de la redondance du gameplay, le problème avec ce genre de gameplay, c'est la redondance. Et pour moi, je pense que la redondance, elle est surtout là, due au fait que les mecs étaient en mode yes, en fait... un peu chiant de devoir recommencer tout le temps. En fait, c'est que les non-habitués du point and click vont détester le jeu. Vraiment. Et les habitués vont réussir à passer outre le problème de redondance. Ce qui fait qu'ils vont pas le détester. Mais ça va peut-être les saouler. Alors, je vais mettre le son du jeu peut-être un peu plus fort. Parce que c'est un jeu qui se veut très immersif, donc on va mettre le son un peu fort. Très immersif. Ouais, ok, on vous entend bien. Appuyez pour vous déplacer, ok. Cliquez sur un objet pour interagir avec. Porte fermée. Oh, oh, baby. Sorry, neighbors. Ok, je découvre beaucoup, hein. Je connais le speech, c'est un mec qui va dans une boucle temporelle où il y a un truc chelou avec un policier qui tue sa femme. There we go. Now I just need to use them to get in.
D'accord. Vous pouvez afficher les commandes dans les menus options si nécessaire. Ok. Hey babe, I'm home. Love you. Oh, I'll be out in a second. Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Je peux faire quoi? J'ai un couteau, j'ai une tasse. Genre, je peux me faire un café? J'ai préparé à manger. Que me vaut cette soirée si spéciale? I'll tell you of a dessert. All right, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Alors. Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Oh, il y a des somnifères. Ok. J'ai rien fait, je te promets. Alors, il y a une coupure de courant. Genre, elle a fait sauter les plombs quand elle a appuyé sur un truc. Je crois qu'on l'a allumé la... Thanks for helping with the mics. Let's eat. Okay. Petite soirée en amoureux. The dessert, not just dessert. I have something to share. Dessert and a present? What, when is this, my birthday? Just open it. Okay. So. Vêtements d'enfant. Yeah. I'm pregnant. We're having a baby. What? Wow. Yeah, wow. So, how are you feeling over there? Why Dahlia? I wanted to name her for your mother. But I never even knew her. So? She's still a part of you. Yeah. What if it's a boy? If it's a boy, then he won't be able to read that there's someone else's name on his onesie. It's a nice surprise. Don't overthink it. Now you want to talk about the actual pregnancy? Hey, it's gonna be great. You think so? You kidding me? You're incredible and I'm, you know, decent. The baby that we make is gonna be amazing. And it will be so, so loved. Yeah, damn straight. God, I love you. Hey, we're doing it. We're having a baby. Okay. Hey, I have an idea. Don't laugh at me, but do you want to dance with me?
Yeah, let's do it. You lead. I'll follow. Police, open up. I'll get it. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Sir? Whoa, whoa, whoa. Oh my. Sir, hey, sir? You're hurting me. Listen. Oh my. Sir. Bah attends, mais c'est pas un policier, ça, frère. Hands behind your back, please. Don't move. Help me. Will you come help me? No, come on. Don't. My wrist. Mais quoi? This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, no, no. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt. Je clique, mais je peux pas me relever. Peut-être j'aurais dû prendre le couteau pour me... Ah, mais j'en savais rien. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay, let's just see. Look, I don't know. No, 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 no. No, please. Please. Okay, okay. Just stop, please. I'll tell you. Just don't hurt him. Please, the watch is in the... Ah yes. Oh fuck, that was brutal. Oh god. You're okay. You're okay. What? I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? I don't know. What? But, no. I was just... How is this possible? Attendez, on peut pas lui parler, là, parce qu'il y a un souci. Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. Uh-huh. I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Let's see. Tiens, il pleut pas. Seconds, we're gonna hear thunder. Mm-hmm. Okay. Forecast is clear. Yeah, I know. Wait and see. Et là, faut que j'attende. Comment 1, 2, 3, 4. Non, ça reste bloqué. Comment je connais la temporalité de la... Ok, you're right. Any second now. We could use the rain. Ah oui, c'est ça, en fait, il pleuvait pas avant. Ok. Et là, je vais lui présenter le cadeau de l'enfant. Attendez. Elle est allée dans la commode. Non, quoi ? C'est pas dans la commode ? Attends, elle aurait mis où le cadeau ? Ah si, c'est dans la commode, ok. C'est bien ça, j'ai entendu... En fait, faut faire super attention au bruit, en fait, parce que... I mean, okay. I think I do, yeah.
Est-ce que la preuve de l'interrupteur qui me électrocute, c'était une bonne preuve? And in the next few minutes, a cop is going to be at the door. What does he want? Yeah, that cop. He's going to accuse you of killing your father. What? My dad died of a heart attack. That, it's crazy talk. He's lying. You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. Hey, how'd your father die? Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Sure, a pocket watch, very valuable. Babe, I have no idea what you're talking about. Where'd you hide the watch? Will you stop with that? Did you kill your father? Excuse me? No. Fun question, though. Real funny. Mm-hmm. Well, what about your father's murder? What is this? My father died of a heart attack, asshole. I don't want to talk about this. So, a time loop. How? I have no idea how to react to that. I need to know what you did with the watch. This isn't funny. We're done. I know the truth. The truth about the watch, your father. What is this? Ollie, open is that up. Him? Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing. What is this? Come on, I know you're. We're done talking about. With the police. Mais wesh, il est entré en mode de flow random. Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Stop. I'll come with you. Yeah. What? Je voulais. Will you come help me? Ah, donc l'interrupteur est niqué. Attendez, je réfléchisse. Attends, qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas à comprendre au niveau de la boucle temporelle, qu'est-ce qu'on doit découvrir pour l'arrêter, en fait. On peut se planquer. Oh fuck. Fucking light switch. We wait. Ah trop bien, on peut se planquer. Ah oui, donc là on attend la vérité. Ah, faut que je visite plus l'appartement, à mon avis, il y a d'autres trucs. Mais attendez, parce que l'interrupteur, c'est un bon moyen de mourir. Mais aussi, je pense qu'il y a moyen de faire un guet-apens sur le mec. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. Ah.
a mistake. I don't, you must be, look, I don't know, you don't have to handcuff me, we can talk about this. We will. I don't know who you are, but I am not who you're looking for. This, anyone else? It's a mistake. Come on out. Please, please don't hurt me. Anyone else here? Husband, boyfriend, girlfriend? My husband. He's at work. He'll be here any second. All right. Just us then. Non mais c'est horrible. Oh putain. Your father? A gun? Father. Ring any bells? Why are you asking? Come on, skip this part. Please. Oh. You're gonna give me his watch. Only question is how much you make me hurt you before you do. Oui, oui, j'avais vu un peu le jeu, genre vraiment du gameplay, genre 20 minutes, pour comprendre que je savais que c'était une histoire de policier et de boucle temporelle. Donc c'est fait qu'effectivement, je me suis un peu spoil sur l'appartement, sur certains points. Alors le truc de l'interrupteur, je savais pas du tout, hein, sinon je me serais pas amusé à cliquer et mourir. Mais vu que je voulais voir s'il y avait un moyen de se planquer, mais le truc du placard, j'avais vu qu'on pouvait rentrer dedans, mais je pensais pas qu'on pouvait se planquer. Mais je pense parce qu'elle m'a pas vu. Le fait que je suis rentré dans le placard avant qu'elle ne sorte, c'est qu'elle m'a pas vu y rentrer. Elle a pas l'info que je suis là en fait. Alors, ce qui est un peu con d'ailleurs parce qu'elle m'a pas entendu rentrer. Attendez, j'ai pas compris. Il a trouvé où le. It'll restart. It has to restart. I can't do this. It's not really like losing you, all right? And the baby. Oh, fuck. It's gonna restart. I know it will. It has to. Hey, babe. What the fuck? Are you kidding me? Ok, attendez, c'est super intéressant. Là, je viens de prouver qu'il est enfermé dans cet appartement. En fait, ce que je comprends pas, c'est comment les voisins qui ont soi-disant un bébé réagissent pas. En fait, soit je me suicidais avec le couteau. Ah, mais il y avait l'arme à feu. Est-ce que tu peux te suicider avec l'arme à feu? Attendez. It's locked from the other side. I'll be out in a second. Attendez, je vais prendre le couteau pour tout à l'heure. Ça peut être toujours utile. I didn't hear. Best night ever. Get. Oui, en gros, les dialogues que j'ai déjà eu, je peux les zapper, ça c'est cool. Alors, attends, parce qu'il est allé dans la salle de bain, j'ai entendu le bruit de la... Ah, c'est ça qu'elle disait. Ok. Ah, genre, il me faut un tournevis ou un couteau? Ah, ça passe. Ok. Est-ce que je perds le couteau ou je le garde? Ah, j'ai l'air de le garder. I don't even know what you're looking for. That's it. I'm out of here. Yeah, I don't need this right now. I'm out. Mais putain, mais nique ta mère! Elle s'est tirée! Ah, j'aurais dû le faire pendant qu'elle regardait pas. Attendez. Oh, fuck me. On va le retenter. How do I get her to say with the watches? Ok, attendez, on reprend le couteau. Ah oui, donc, en fait, si on...
Ah ouais, il y a vraiment un truc avec l'histoire de la montre à gousset. Si on prend la montre à gousset et qu'elle est au courant, elle nous fait la gueule. Par contre, je la vois pas, la montre à gousset. Elle est dedans. Bah, elle a tilté, donc elle est au courant. Non. Not now. Okay. Non mais. Oh, c'est atroce par contre, genre vraiment. Oh, c'est nul. Attendez, faut que je regarde bien. Mais nique bien toi ta life en fait, vraiment. Oh putain, fallait cliquer pile sur l'objet. So this was her father's watch. Must be worth a lot of money. My father-in-law's. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? There's a man, and he said that you killed your father. What the fuck are you talking about? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? Listen, I'm sorry. I'm living the same 10 minutes over and over and over again. So look, I'll prove it to you. Are you fucking kidding me? Let's see. What are you doing? En fait, il se met déjà à pleuvoir, donc ça pue. Faut que je prenne le cadeau rapidement. Wait. What is it? Let's see. This present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there are baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I told you that I'm in a time loop. Leave me now. Oh, yeah. Je réponds pas à ma collègue parce I mean, que. I think I do, yeah. I don't even know where to start. My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt. It doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard, but please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and he always had guns around. I grabbed one, and I shot him, and I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and, well, and things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. And now you know. Please. What? Talk to me. So then, how'd you get the watch? That fucking watch. It was my mom's. Her grandfather actually made it. It was gonna pass down to me. What now? Attendez, est-ce que j'ai le temps de regarder le Polaroid? Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still.
New Year's Eve, 8 years ago. It's less than a week after she... Now you, hands behind your back, please. Don't move. All right. J'ai essayé de le cutter. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. Please, no. This can't be real. This can't be. Hey! Look, I don't know. Don't. No! Wesh! Il m'a mis une patate! Ok. Attendez, j'essaie de réfléchir. Avec tout ce qu'on a comme info. Si on liste... Attendez, je vais... Vous savez quoi? Je vais... Attendez. Ça va être simple. On va faire un fichier Word. Ou bloc-notes. Bloc-notes, c'est mieux. Ce sera moins le bordel. On va capturer... Capture de fenêtre. Attendez que je fasse pas de conneries. What? On peut plus Ok. Théoriquement, là, vous voyez mon bloc-notes. Ok. Première info, on pourra mettre interrupteur. Tu. Deuxième info, on a somnifère. Placard. Ça, c'est des infos qui peuvent peut-être m'aider à... Ouais. Salut, Mamba. Troisième info, on a... montre. Montre. Merde, comment... C'est pas le placard, c'est la ventile. Montre ventilation. Qui permet d'avoir... dialogue supplémentaire. En gros, ça, il me reste des trucs à faire au niveau des dialogues. Je pense que le somnifère placard, on peut le relier avec la tasse qu'elle boit. Donc, tasse plus eau. Et ça peut égale donc endormir femme. Donc voilà. Donc là, en gros, ça, on a un truc. Mais
à quoi ça nous servirait d'arriver à endormir femme si on veut go sur la suite, tu vois, genre TAS plus O égale endormir femme, donc endormir femme, on pourrait aller à quoi? Parce que quand le mec intervient, il va vouloir la réveiller. Il va voir qu'elle est pas... Ah, je pourrais tenter de la mettre dans la chambre. Ah ouais, mais faudrait... Est-ce que je peux la porter? Ah, ça, c'est la dure question. Parce que si l'endormissement de la femme, il se fait dans la chambre, en gros, c'est endormir femme, chambre, le mec égale... le mec allume... lumière. Conséquence. Mort. Voilà. Ouais, c'est pas très légal. donc ça, en gros, ça c'est la conséquence de ça. Ça, c'est ce que je peux faire avec toutes les infos. En sachant que la montre ventilation, elle peut me permettre d'avoir deux dialogues que j'ai pas encore en info. Et j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il me disait avec l'histoire du... Ouais. Ce qui est sûr, c'est que si... Je suis en train de me dire, s'il est mort, le problème, c'est que je pourrais pas... En fait, il faudrait pas qu'il meure. Comment je pourrais faire ça? Est-ce qu'il meurt obligatoirement ou il meurt pas? S'il meurt pas, imaginons qu'il meurt pas. Mort. Attends, imaginons, ça c'est hypothèse. Hypothèse. On va mettre mort slash pour dire qu'il est pas mort. Hypothèse, il meurt pas. À ce moment-là, moi, je peux le fouiller, j'imagine. Donc faudrait que je le fouille. Donc fouille. Pour récupérer fouille égale flingue plus menottes. Comme ça. Menottes. Et ensuite, faut que je l'interroge. Le problème, c'est que si je lui tire dessus, il va mourir. Donc interroger. Faut pas que j'oublie aussi que j'ai le couteau. Et le couteau, ça peut être pas mal pour menacer. Aussi. Arme. On va mettre arme. Couteau. Voilà. Bon. Ça. C'est toutes les infos qu'on a. Ensuite, les infos qu'on a eues, c'est que femme, elle a deux petits points, tué son père, slash avoir un enfant. Ok. Bon, pour l'instant, ça, c'est les infos qu'on a. Je vais couper. On va revenir au jeu. Et je vais essayer de... Je pourrais tenter l'histoire tout de suite, mais je pense que je vais retenter un truc où... Putain, ta mère, là... En fait, si tu cliques pas... Au bon endroit, à chaque fois, ça fait trop chier. Genre, je suis désolé, hein, mais c'est vraiment... Okay.
New Year's Eve, 8 years ago. It's less than a week after she showed her father. I can't imagine what she must have been going through. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. 8 years ago. It's less than a week after. Ok, donc c'est ça qu'il disait. Donc attends. Elle aurait tué son père il y a 8 ans. What? Attendez, on va faire ça. Oh, c'est tellement chiant, je suis désolé, mais c'est vraiment chiant. Oh, je comprends pourquoi les gens sont tiltés, hein. C'est mal foutu. Ah ouais, ouais, voilà. J'ai pris trop de temps, ce qui fait que l'orage est... I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. Mm-hmm. A man. I don't even know. But what? Look, how he. I don't know what you think. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How? Ah, okay. Donc c'est des nouveaux dialogues. Right? You told me in a previous loop. I. What? Look, I'm on your side. On my side? Oh God. Look, I couldn't. I didn't know how to tell you. Please, talk to me. So then... Could you tell me again what happened that night? I don't want to do this. Please not do this. Please, babe. I need to know. It was Christmas Eve. Caught me trying to sneak out. I was mad. I don't know. I was young. I went at him. I'd never seen it, but my dad had a rough. Baby, I'd never been hit before. It was a shock. I don't remember grabbing the gun. Ouais, mais ça, elle m'a déjà dit ça. I grabbed the watch and I murdered. So there. Hey. You needed to know. Now you know. And I'm still here. Ok, on s'en a l'info. Gave everything, all of it. All that matters is that we have each other. And that's it. Yeah. Wouldn't that be nice? But you won't forget this. Neither of us will. Things like... You've been lying to me all this time? I'm... Yeah. What else could I do? If you found out who I really was. I just don't want to lose you. All. But here we are. God damn it. Hey. God fucking damn. Why'd you do it? I didn't plan it. I never meant to hurt anyone. I'm sorry. I can't be here right now. I'm with the police. Turn around. Please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Hey, listen. Wait. What is it that we're being accused of? Who are you? Exactly. Please quiet. Listen. This is way I'll more complicated. Deal with you in a minute. I'm with the police. Turn around. Bon, ça n'a pas marché. ok. Ok, attendez, je résume.
Il y a une histoire de nounou. J'ai pas compris ça. Genre, il couchait avec la nounou ? J'ai pas compris. Faut demander au mec. Merde, elle m'a vu faire donc. Christy? No, I'm sleeping fine, but thanks, I guess. Fuck, elle m'a vu faire. Ah putain, attendez, faut que je recommence. Elle m'a vu faire. D'accord, donc faut pas qu'elle me voie truander les somnifères. And we're back. Attendez, on va se dépêcher. Je prends les deux tasses comme ça, elle peut pas se faire servir d'eau. Je prends le couteau et je me prépare à... I didn't hear you come in. Best night ever. Guess you made dessert. Great. Okay. C'est tellement le guet-apens en plus, ça, le truc du... Quoi ? J'ai pas mis de somnifère dans le verre ? J'ai un devoir faire. Non, c'est pas vrai. Non. Ok. Tu sens la couille déjà quand t'as le mec. J'en ai pas mis de GHB dans ton verre, je te promets. Ça, c'est avec des somnifères. Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Nanny, what do you remember about her? My nanny? Let's talk. I'm so tired all of a sudden. Oh, I'm just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Okay. Ah oui, il faudrait que je prenne le Polaroid. Est-ce que je dois prendre la montre ? Je pense que j'en ai pas besoin. Ok, et là je patiente. Je pense que c'est la strat. Now we wait. Ok. Il va falloir que je me dépêche parce que s'il meurt pas, faut que j'interagisse vite fait parce que ça se trouve, il se prendra qu'une bourre. Come on, I know you're home. Open the door. What the... Ah.
Oh, faut que je me dépêche. J'ai pris trop de temps, j'ai mon cerveau qui a... Little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Damn son of a bitch. Listen. I was... Direct. On va le cutter direct parce que... On va lui montrer que c'est nous le papa ici. Il meurt pas tout de suite. What do you want? What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? 8 years ago, she murdered her father in cold blood. What makes you think she did it? Of course she did it. Same gun, same room, it's obvious. Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Finally got a tip. Pointed me here. Who gave you the tip? The pocket watch she stole. She tried to sell it. Pawn shop owner let us know. How did her father die? Her. She shot him. Christmas Eve, 8 years ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. Two shots. Close range. Heartless. Wait, what? No, 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 that's not true. She told me she ran away on Christmas Eve. But by New Year's... On New Year's, she was here. She was hundreds of miles away when he was killed. She was. Prove it. She's a murderer. Murderer's law. Et en fait... Look at this picture. What about it? Look at the date. December 31st. That's the day she murdered him. No, no, that is the day he was murdered, but she was hundreds of miles away. I don't understand. No shit, it wasn't her. She didn't kill him. What do you know about the nanny? Who? The nanny the old man had the affair with. What do you know about her? Why do you care about the nanny? It was years ago. So... Who could have killed her father? I don't know. Everything points to her. Okay, okay. Shh. Listen up. Why do you want the watch? Shit. I need a doctor. Yeah, I'll say. And I'm gonna hurt you again if you make me. The watch, come on. Fuck. Fucking watch. You have any idea what that thing is worth? Money? That's what this is about? You'd murderers for money? You really don't know? No. Your wife, her father, closest thing to family I ever had. You knew him? Know him. He taught me everything I know. He was good to me when no one else was, and that monster murdered him. You knew her father, right? Yeah. He was good to me. Il parle d'un monstre, mais c'est-à-dire que c'est notre personne qui l'a tué. Ok. Papa, n'oublie pas d'appeler avant la séance, d'accord? Tu oublies toujours et après je suis trop fatigué. Bonne chance pour aujourd'hui, j'ai vu que tu étais stressé, j'aurais aimé que tu sois là. Le cancer, ça craint, je t'aime aujourd'hui. Oh, attendez, attendez, ça c'est des infos hyper importantes ça. Bumblebee, c'est sa fille.
Alors déjà, t'appelles ta fille Bumblebee MDR. Montant de votre compte dépend désormais de la... Ah, ok. La fille a un cancer, il a pas la thune pour payer, et il voulait la montre. D'accord. Ah ouais... Ok, donc en fait, ok. Ok, attendez. Donc attends, femme tuer son père, finalement, c'est faux. Quelqu'un d'autre. Nounou, on avait la nounou, potentiellement qu'il y a une liaison. Liaison. Avec le père. On a quoi comme info? Monde ventilation, dialogue. Donc, policier. On va mettre policier. Endetté. Je sais même pas comment ça s'écrit. Plus. Fille. Cancer. Donc la fille, elle a le cancer, égale montre argent. Ok, donc le policier, en fait, il veut la montre pour l'argent parce que sa fille a le cancer. En fait, il faudrait que j'arrive à créer une boucle où il n'a pas besoin de nous tuer. On lui balance la montre en mode bah les couilles, c'est pas nous qui l'avons tué, c'est une autre personne. Et après, il faut que j'arrive à trouver qui est l'autre personne en fait. Et on a le numéro de Bumblebee. Attendez que je regarde. C'est 4, 1, 3. Je crois que c'était ça. Attendez, parce que je suis en train de regarder la VOD. Bon, je revérifierai bien la VOD. J'ai zappé à l'arrache. Ça se trouve, c'est le numéro de l'assurance. J'ai un doute. Je crois que c'est le numéro quand j'ai appuyé. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, ça, c'est numéro. Numéro Bumblebee. Ok. Et donc là, ce numéro va me permettre... Ah, mais c'est vrai que... Faudrait que je trouve... J'ai un téléphone sur moi de base ou pas? Je me suis même pas posé la question parce que ça se trouve, je pourrais appeler la véritable police. En mode... Bah, la police, c'est la merde. Faut que la police intervienne, tu vois. Faut que j'arrive à trouver un téléphone portable. Faut que je résume. Téléphone, il peut pas être dans la cuisine. Je l'ai pas vu. Donc attendez, cuisine, c'est mort. Salle de bain, c'est mort. Il reste placard ou commode. Pour trouver un tel. Parce que je crois pas que j'en ai dans mon inventaire. Hein. J'en ai pas. Hein. Donc, placard ou commode pour le téléphone. Attendez, on va quitter parce que ça sert à rien maintenant. Ah merde, vous voyez pas ce que je marque depuis 20 minutes. Ok. Placard ou commode pour le téléphone.
quelqu'un d'autre, avoir un enfant. Donc quelqu'un d'autre a tué son père. Liaison avec le père, potentiellement. Je vais mettre hypothèse parce que on n'est pas sûr. Il y a une histoire avec la nounou chelou, en tout cas. Policier endetté plus fille cancer, montre argent. Donc ça, c'est bon. Placard. Ou commode, il y aurait un téléphone. Faut que je trouve où il est. Et on a quoi d'autre comme info? On a... Lui nous a dit si on veut garder le policier. Le policier, il est ami du père. Donc c'est un ami du père et il veut se vengeance. Vengeance. Ami du père. Voilà. Il veut se venger. On a pas mal d'infos, hein. Finalement, c'est pas mal, hein. Mais je pense que t'es obligé de faire ça, hein, parce que c'est plus simple. Genre, vraiment, de te dire... Donc, l'interrupteur, il tue pas. Il tue. Il tue moi. / stun policier. Donc, il me tue, mais il stun le policier. Les somnifères placards, tasse plus haut, endormir femme... Pas le voir. Ok. Pour montrer parce qu'elle doit pas le voir. Montre ventilation. On va remettre pas le voir parce qu'elle doit pas non plus le voir quand on fouille la ventile parce que sinon elle fait la gueule. Ok. Bah, moi, je suis très content pour l'instant parce que c'est cool, ça a plutôt bien avancé. Par contre, clairement, je comprends pourquoi le jeu va tilter. Hein. Genre, le côté de recommencer les boucles parce que tu t'es fail et que t'es obligé de jouer comme ça, à noter tout pour pouvoir avancer, oh, c'est dur. Hein. Je tiens à dire que c'est dur. Hein. C'est pas facile. D'ailleurs, les succès, j'ai pas regardé parce que j'ai pas fait de succès pour l'instant. Il y a 12 succès cachés et j'en ai fait aucun. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là, sur ma une heure de jeu, j'ai même pas eu un succès. Soit c'est les fins, je sais pas. Allez, des bisous!